Quel est le surnom de ta console? Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Super Nintendo Boy. Sous Kratos, votre bien-aimé, le grand N-Sex, comment est-ce qu'il dit dans Ni no Kuni, le seigneurial, je ne sais quoi des N-Sex, vous voyez ce que je veux dire? Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'ai une question à vous poser. Une seule. Hein, car telle est la question, tout du moins la question journalière. Quel est le surnom de votre console? Quel est le surnom de ta console, mon jeune N-Sex, mon jeune ou ma jeune fan de Nintendo Switch? Eh bien, déjà, alors je ne m'en rappelle pas pour être franc, mais je pense qu'on pouvait choisir le surnom de notre console la première fois qu'on le démarre même. J'avoue, la mémoire me fait défaut. Je pense que j'ai pris un peu trop de drogue dans ma vie. Mais néanmoins, si ce n'est pas le cas et si tu souhaites peut-être le changer, eh bien mon cher ami, ma chère amie, tu vas simplement dans les paramètres, voilà. Tu vas descendre, tu vas aller dans console tout en bas, voilà. Et juste après la mise à jour de la console, ici même, eh bien tu vas tomber sur le surnom de la console. Alors, mon surnom fort original, je pense être un des seuls à avoir surnommé sa Switch ainsi, c'est 8. Alors, 8. Alors, je laisse 10 secondes aux grands fans, vous savez, de cinéma, de séries, de qualité. Voilà, à ceux qui aiment la mise en scène, à ceux qui aiment la narration cinématographique, n'est-ce pas? Je vous laisse 5 secondes pour vous rappeler d'où vient. Ce 8, comme ça putain, 8. H, bien évidemment, H, mon Dieu, H. Quelle grande série, n'est-ce pas? En tout cas, si vous voulez rigoler, or, c'est l'humour pipi caca, hein, mais bon, j'ai envie de dire, quand on aime l'humour pipi caca, type la tour Montparnasse de l'Infernal. Hein, je suis sûr que l'ami Anal Génocide confirmera les qualités cinématographiques, n'est-ce pas, de ce film et de cette série, ou comme mon ami Thibaut citerait quant à lui les Dalton ou Mortal Kombat, vous voyez, des grands films qui ont marqué l'histoire du cinéma, et notamment pour certains d'entre eux, du cinéma français, du cinéma francophone, je dirais même. Eh bien oui, c'est dans l'épisode où Sabri, sans le vouloir, fait un film de cul, hein, lui croit que c'est autre chose. Bon, finalement, c'est tourné, les cassettes, en tout cas les enregistrements, ils sont enfermés dans une banque. Et puis, il y a Jamel, Sabri, et puis Aimé, bon, bah, qui prépare le casse dans le resto de Sabri, et puis ils doivent chacun choisir un surnom, et Aimé, justement, choisit le surnom de 8. Et moi je sais pas, c'est con, hein, mais ça me faisait vachement marrer. Mais je suis quand même curieux de connaître le surnom de ta console, de votre console. Parce que je suis sûr que parmi vous, hein, il y a eu des gens, des personnalités ayant donné des surnoms originaux, hein, voire même uniques à leur console. Alors vous me direz, là encore une fois, bon. À quoi ça sert de surnommer sa console? Eh ben, tu vois, c'est pour le côté personnalisation, c'est pour le côté personnification. Quelque part, tu nommes ta console, tu vois ce que je veux dire? Quelque part, t'es peut-être plus attaché à elle, tu vois? 8, dis-moi, est-ce que tu vas bien? Es-tu malade? Et puis, vous allez pouvoir lui parler comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Lui faire des bisous, peut-être. Alors, attention, bon, je sais pas encore si dans la loi c'est acté, mais ne violez pas votre console. N'abusez pas sexuellement d'elle, hein, voilà, parce que un jour le syndicat des consoles abusées se retournera contre vous. Puis disons que c'est mieux d'éviter la chose. Voilà, je crois que j'arrive au bout de cette courte vidéo. Des vidéos toujours aussi utiles, n'est-ce pas? Toujours aussi. Quel terme puissant choisir pour décrire ces vidéos aussi nécessaires à la civilisation humaine, n'est-ce pas? Que celle-ci, voilà, hein, la vidéo. Quel est le surnom de ta console? Comme d'habitude, j'attends
Ton retour, tes retours, peut-être même si tu es particulièrement motivé, voire prosélyte, n'est-ce pas? Dans l'espace commentaire ici dessous, hein, et il n'y a pas que l'espace commentaire que je pointe ici. Voilà, je t'aime, je vous aime, aimons la vie, aimons la Nintendo Switch. Thank you.